Je pourrais voir un aperçu de la vidéo. Mais non, je vais les mettre en ligne cette semaine. Ou la semaine prochaine. Non, mais un Je aperçu de verrai. la vidéo. Donc, salut à tous, c'est Idrey. Avec Geekube. Ouais, je suis là, moi. Qui commence une partie sur la tablette. Ouais, je joue à Clash of Clans sur le portable, je suis très puissant. Et là, je joue à Clash of Attends, mais je Clans. vais leur montrer la ville. Sur le début à la tablette. Bah, rejoins mon clan, s'il te plaît. Ouais, je m'en vais, barbare! Je suis trop cheaté! Ouais, ça c'est ce que croient les gamins là qui commencent. Ouais, qui commence Clash of Clans. Nous, on a des élixirs noirs, on est. J'ai le roi des barbares niveau 5. Ouais, voilà. Toi t'es niveau 50. Ouais, Et moi tranquille. 69. Mais oui, tranquille. Mais niveau 50 c'est pas très fort. T'as un clan de merde! Pourquoi? Ils respectent pas tes demandes. Encore pire que ça, ils donnent rien. Ah ouais. Et regarde! T'as vraiment besoin de former 20 barbares. Mais ils sont niveau 1, alors ils sont vraiment à chier. Tu sais, si ce serait des barbares niveau. Mais t'as un clan, y a la moitié qui sont Niveau, inactifs. niveau 5. Dans ton clan, t'as la moitié qui sont inactifs et il y en a plein qui sont merdiques. Faut que je rejoigne le clan de. Voilà. Lui, c'est ça. T'es, j'essaie de rejoindre son clan. Ouais, vas-y, je t'en prie, je te laisse ta vidéo. Voilà sa ville de merde. Hey! Mais tu le fais Mais quand toi, le... t'as cheaté les gemmes, hein, alors s'il te plaît. J'ai pas cheaté de gemmes. Si. C'est Avec la impossible, ça carte de existe crédit pas. de ta. Merde. Mais t'as acheté des gemmes avec la carte de crédit. Je m'appelle comment? Sur la tablette. Un bon nom de merde. Donne-moi un bon nom de merde. Nul à chier. Nul. Non, non, non. Ok, alors Kikou. Non. Mais je m'appelle Ghost. Je fais pas référence au Call of, hein, mais je m'appelle Ghost. Ouais, alors, pour les débutants, extracteur d'élixir, ça donne de l'élixir. Mine d'or, ça donne de l'or. Quand ça se remplit quand vous n'êtes pas là. Et du coup, ben, mettez-les le plus amélioré possible. Comme ça, vous serez riche. Bon, là, je suis un peu pauvre, parce qu'avec mes 5 ouvriers, Ouais! ils bossent HDV2! tous. Eh, t'as Et vu comme j'ai je suis tout lancé. swag? Sur la tablette, je suis HDV2 comparé à ce que sur mon portable, je suis HDV8. Ouais, moi aussi, je suis HDV8. Putain, j'espère que j'aurai mon iPad Air! Alors, Et après, bientôt! bah, les troupes, voilà, il faut améliorer les camps militaires, améliorer l'hôtel de ville pour débloquer des nouveaux trucs. Bon, moi, je vous conseille de tout Attends! améliorer avant de faire l'hôtel de Attends, je ville. demande! Qui me recrute? Non, recrutez-moi! Mais t'as pas de château de clan. Mais je sais, mais je fais exprès. Il y a tout Ok. le monde qui fait ça. Donc, Recrutez-moi! voilà. Je suis tout fort, attends. Je suis tout fort avec des fautes d'orthographe? Non, c'est bon. Ouais, alors le château de clan, il coûte 40 000 à réparer. Le geek de Et grâce à Rivemont. ça, vous pouvez rejoindre un clan ou en créer un. Voilà le clan, vous pouvez demander des troupes. Il y a des guerres de clans aussi. D'ailleurs, on l'a gagné la dernière. Et il y a ça qui pousse toutes les 8 heures, ça donne des gemmes. Alors j'ai 443 XMA noir. Le roi des barbares. Il est vraiment génial, hein. Bah, je peux pas l'améliorer parce que mon réservoir d'élixir noir est pas assez grand, je dois le mettre niveau 3. Merde. Voilà. La poigne de fer, quand il est niveau 5, il gagne le pouvoir poigne de fer. En gros, c'est l'effet d'un sort de rage. Un truc qui rend les troupes plus fortes. Ah oui, ça c'est la foreuse d'élixir noir. À partir de l'hôtel de ville 8, on peut la voir. Et ça permet de gagner de l'élixir noir quand on n'est pas là. Milou, invite-moi dans ton clan, s'il te plaît. Mais Vite, je peux s'il pas, te je plaît. suis pas aîné. Ah oui, je demande d'être aîné, là, direct. Bah, y'a personne en fait. Bah, quitte ton Bah clan et. voilà, clan Quitte ton G. clan et je t'invite ce Mais soir. j'ai pas de clan. T'as pas de clan? Tu veux me Tu l'as manier? quitté? Ouais, j'ai Ok, c'est quitté. bon, je t'inviterai ce soir. Mais si j'ai mon téléphone Donc, je en plus. suis dans le clan. C'est quoi déjà le nom? Mais je m'en fous de ce clan. Aku-O-Warui. Warui. Et je m'en fous de ce clan, alors ne venez pas.
Par contre, aller dans des clans comme Yolo Swag, le clan d'Hypierre, ou alors. Si y a de la place, hein. Ou alors War at Home, le clan de Dovahkiin for iPhone. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai envie d'y aller. Tu me vois sur ou le alors général. Dans l'armée noire, la tulipe noire, ou plein d'autres trucs. Va sur le général. T'es tu pas vois là. Un A. Comment ça, A? J'envoie un A. Non, il y a pas. Tu sais qu'il y a plusieurs généraux. Ah oui, ouais, c'est vrai. Il y a plusieurs chats généraux. Mais moi, je donc, pas si vous voulez vous faire recruter, vous allez dans le général, vous demandez que vous cherchez un clan. Seulement si vous avez les châteaux de clan réparés. Eh bien, je cherche une partie en multi. Pour me faire défoncer. Je fais ça ou pas? Si tu veux, moi je m'en fous. Ouais, bah vas-y, crée un canon. Donc, après, attends, je vais montrer les troupes. La troupe de base, le barbare. Le truc de merde, mais qui est bien quand il est à haut niveau. Ensuite, l'archer, ça c'est bien parce que ça attaque au-dessus des murailles. Gobelin. Je vois pas trop l'utilité. Ça vole les ressources et c'est tout. Le géant. Il attaque en priorité de défense et il encaisse bien. Sapeur, il pète les murailles. Ballon. Ah, ballon, c'est fort, très fort à haut niveau. D'ailleurs, pourquoi tu améliores pas, toi? Il est que niveau 2, le tien. Bah, c'est parce qu'en fait... Le sorcier est niveau... Le sorcier, il est super fort. Je peux faire ballon niveau 5, là. Mais juste, j'ai la ballon niveau 5, c'est 2 millions et demi. Même moi, je peux pas. La guérisseuse qui soigne les troupes. Le dragon, c'est un gros truc qui vole et qui crache du feu et c'est fort. C'est lent. Ouais, c'est lent aussi, mais les ballons, c'est les plus lents. Et le PK, le truc super résistant et qui fait super mal. Tiens, il y a quelqu'un dans le clan. Je suis repassé 8ème du clan. Ah, il n'y a pas le chef. Désolé, il ne mettra pas aîné. Et je pourrais pas t'inviter. Mais je t'invite ce soir, ok? Nous, on est tous les deux grade... Alors. Argent 1. Ouais, argent 1, mais si je veux, je peux monter hors 2. Moi aussi. Hors 3, moi. Pour l'instant, vu que j'ai pas le roi des barbares. Ouais, mais pas avec ta partie niveau 2. Non, avec ma partie niveau 50. Améliore en premier extracteur et mine. Mais je m'en fous, de toute façon, je fais nimple, là, j'utilise les gemmes. Je fais des conneries. Hein, 2 gemmes pour améliorer les réserves de 10%. Et pour les remplir, c'est 5 gemmes. Wow, c'est trop pourri. Bien. Moi je dis ça pour rire. Lol. Ouais, lol. Oui, donc moi j'ai un village plutôt pas mal. Après ici vous avez vos amis. Ah oui, ça c'est le nouveau village de Adrien, regarde. Niveau 2. Il a fait une nouvelle partie. Avant-poste gobelin. Donc là, on peut voir la photo de Guy Cube en troisième. Troisième? Ouais, t'es troisième dans mes amis. Ensuite, les meilleurs clans, les meilleurs joueurs. Donc, faut voir, hein. Les types, ils sont forts. Voilà. Donc, ils peuvent se permettre de foutre n'importe quoi avec leur ville. Elle est tellement puissante que personne n'arrive à les battre. Et dans mon mode histoire, moi, je suis... j'ai pas beaucoup avancé, je suis au Campus Gobelin. Donc, Campus Gobelin, voyons voir, c'est où ce truc. Voilà, t'es ici. Ouais, mais j'ai pas le temps, déjà, les guerres de clans, tout ça. Et moi, je suis... l'évier de la cuisine. De toute façon, moi, je te jure... vais pas le faire aujourd'hui, je me ferai un full géant pour y aller. Full géant et guérisseuse. De toute façon, je te jure que je ferai archer 5 bientôt, alors là, prochainement. Et ben moi, tu sais quoi? Je vais farmer pendant... Même chose. Je me fais... Ah oui, le laboratoire pour améliorer les troupes. Je me ferai le barbare niveau 5. Après, je me ferai le dragon niveau 2. Le sort de foudre niveau 5. Je me ferai PK dans toutes mes casernes. Et ensuite, je fais archer 5. Putain, je suis des invités. Autant que ça? Comment ça se fait? T'as été dans le général? Oh, bon bah je vois celui-là. T'as été dans le général? Mini level 50. Rentre pas dans un clan. Trop tard. Pour l'instant, je rentre dans un clan, histoire pour les troupes. Ouais, mais après, quand je rentre chez moi, tu te déconnectes. Parce que je suis chez Geekube. Voilà, en gros... Attends, je vais me faire une petite attaque.
Je vais me faire une attaque. Bouclier est actif. Je m'en fous du bouclier, je le reprends en 10 minutes. Moi j'en ai 1h15. J'ai 1h15 de bouclier. Moi comme j'ai l'hôtel de ville dehors, je le reprends au bout de 10 minutes. Ouais, wow, imagine, il y a des gens qui étaient en train de débuter Clash of Clans pendant ce temps. Nous, on a HDV 8. Pourquoi pas, qui se disaient mais c'est impossible. C'est rien de farmer 4000, là, c'était... Ouais, pour eux, c'était la mort. Nous, Archer 4, GG, voilà. Après, Archer 5, ce sera encore plus facile. C'est franchement... Ouais. Comment dire. Les pauvres personnes qui sont encore... Niveau 2, comparé à nous qui sommes level 50, t'es niveau combien toi? 69. Ouais, grâce à ton roi des barbares. Moi je suis niveau 50 pour l'instant et... Et t'as pas encore ton roi des barbares mais ça arrive. T'as combien là? T'as 3000. Mais non, sur mon vrai Clash of Clans là, sur mon téléphone j'ai 800 000 et 1 107 704 d'élixir. Parce que je non mais je te parle de l'élixir noir pour de faire ton roi des barbares. Ah oui, l'élixir noir, j'ai seulement 3000. En fait, à chaque fois qu'il monte au-dessus de 5000, on lui vole. Ouais. Donc je vais faire Foros level 2, réservoir level 2, et j'ai amélioré mes défenses. Ça va faire mal. Moi, mes défenses, c'est ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, il faudrait que je fasse défense aérienne, mais je ferai ça après... Oh mais il y a rien. Après canon. C'est trop classe les archers niveau 5. Il y a aucun inactif, ça me fait chier. Ouais. Y a un mec qui m'a envoyé, je lui ai dit salut et il m'a dit c'est trop classe les archers niveau 5. Attends, je vais demander s'il croit que j'en ai. Non, peut-être que c'est juste qu'il en a testé. Que j'en ai. Attends, s'il dit oui, c'est que c'est un gros noob qui a jamais. C'est un gémeur quoi. Voilà. T'as regardé son niveau au moins. Bah il est comme moi. Argent 1. Non mais son niveau. Ça se trouve c'est un niveau 80. Il s'appelle Miko. Dédicace à lui si nous écoute, mais ça m'étonnerait. Non mais, je pense pas. On sait jamais. Mais il y a aucun inactif, ça me fait chier. Et niveau 49. Avec Hôtel de Ville 9. Eh mais il est con, ils sont pas 5, ils sont 6. Si il a des archers 5. Ah oui ça c'est 5. Les archers 6, ils ont les cheveux violets. Ouais, les flèches aussi, ils sont violettes. Pouf. Et ben... Eh ben, putain, il n'y a aucun inactif. Est-ce que je dis cheater? Ouais, vas-y. Je prends des risques. Le mec, attends. C'est lui, il te fait bonjour, et là, tu lui dis cheater. Yeah. Ça doit pas être sympa. Tu m'étonnes. Tu te calmes. Je voudrais un pote. Allez putain, un inactif. Je vais me faire de l'argent. Bon, allez, je joue sur mon vrai clash de pro. MDR Frédéric. Waouh. Faut que je quitte le clan moi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit encore? Il a dit non, quoi? Je les saoule, ils aiment pas. Enfin bref. Quand tu m'inviteras dans ton clan, putain, j'aime bien. Putain, quand je vois mon iPad Air, je serais trop content. Pour former les troupes, c'est long. Et moi, quand je t'aurais trouvé un inactif qui est. Je serais content. Quoi? Moi, quand j'aurais trouvé un inactif, je serais content. Mais là, il y a tout le monde qui a que du 40 000 et rarement au-dessus de 100 000. On est des fous. Fais ce que tu veux. Voilà, t'as pété ton bouclier. Tu sais, le type... Bah, lui aussi, doit être level 2, à mon avis. Canon. Level 2 ou 3. C'est un level 2, ça, son canon. Balance tout. Pouah, et dire que ça, c'est Clash of Clans quand tu débutes, je me rappelais plus de ça. Moi non plus. T'as commencé avant moi, mais t'as progressé moins vite. Tu as eu ton roi des barbares avec tes... J'aime.
Ben putain, y'a personne. Regarde, 25 000. Fais gaffe parce que après tu arriveras à 0 or, tu diras comment j'ai. Il me reste 150 000. T'as rien comme fric, hein. En même temps, les défenses ça coûte cher en ce moment. Non, en même temps, c'est juste que j'ai lancé 5 bâtiments. Bah oui, voilà. Et qui coûtaient tous 1 500 000 et tout dans le genre. J'ai 3 ouvriers pour le 4ème, c'est 1000 gemmes. Ça fait que. Ouais, pour le 5ème, c'est 2000 gemmes. Tu sais qu'avec les achievements, tu peux avoir 9000 gemmes. Donc tu vois, c'est assez facile à avoir en fait. Quand tu réussis les achievements. Bon, moi je trouve toujours rien d'intéressant. Hein. C'est vrai qu'à notre niveau, on trouve pas des villages géniaux. Hein. Ah bon? Bah, ouais, en même temps, je remonte un peu là. J'étais à 1200, maintenant je remonte. Moi aussi, je trouve pas des villages. Je vais tenter or, parce que j'ai des meilleures défenses depuis la dernière fois. Je veux dire, moi aussi, je trouve pas des villages exceptionnels. T'as pas des défenses assez bonnes pour tenter or en plus. J'étais full élixir. Et t'as plus rien. T'as fait quoi pour tout dépenser comme ça? C'est un jeu de merde quand tu débutes, hein. Tu dis jeu de merde. Ouais, mais il rend accro. Tu te dis quand tu commences. Ouais, je me souviens quand je commençais. Il y a des masters. Enfin, voilà. Je me souviens quand je commençais, j'étais super accro. Je jouais jusqu'à 4h du matin, tout le temps. Je m'arrêtais pas. Je rentrais du collège, tout le temps, jusqu'à manger. Ensuite, après manger, je retournais dessus. Et dire que maintenant on est HDV8, tranquille, et bientôt, peut-être, hein, HDV9. Heureusement que, une fois que c'est plus long à améliorer, on devient de moins en moins accro. Ouais. Bon, parce que, comme il est dessus, le DM, on le fout en l'air, hein. Enfin, voilà. Ouais, c'était limite ça. Moi, je me retrouvais à 5h du matin à faire des DM. Oh, le type, il a encore un sapin de Noël. Sérieux? Comment t'as le sapin de Noël encore? Ben, à Noël. Oh. Tu le fais pousser à Noël et si tu le pètes pas, ben tu le gardes. Et ça fait la déco. Comme fait... moi avec ma boîte de gemmes que je garde en déco. Acheté, moi. Parce que je trouvais que... Non mais le sapin de Noël, on peut pas l'acheter. C'est un truc, c'est un arbre qui pousse comme ça. Il y a un sapin de Noël... Il y a le sapin de Noël là avec l'or et puis le sapin de Noël. Le sapin de Noël avec des boules de Noël. C'est bien les boules de Noël. Pourquoi tu construis rien avec ton or? 800 000. Parce que là, il y a mes 3 ouvriers en train de... Non, mais je parle pas de ta partie level 50, mais la partie niveau 3. Oh. Ah non, toujours niveau 2, je croyais qu'il était passé niveau 3. Je suis bientôt niveau 3. Bah construis un truc. Non, rien à foutre. Sauf peut-être que je la supprimerai après. Parce que gérer 2 Clash of Clans, non. Non merci. Ah ouais? Ouais. Imagine le pauvre mec qui gère 2 Clash of Clans, il en bah, peut. Bah les types forts, ils ont un deuxième. Ouais mais gamers quoi. Non, mais ils ont un deuxième parce que voilà, ils savent plus quoi faire de. Parce que tu sais, c'est long, alors quand ils se font chier sur un, ils vont sur l'autre. Ouais, tu vas gagner là. Et moi, je suis toujours en train de chercher, alors que toi, t'as fait déjà 2 attaques. Et je te jure, quand tu repars, le Clash of Clans, je le supprime. Et si tu supprimes Clash of Clans et que ensuite tu le remets, il y a quand même ton village. Ça te remet une nouvelle partie, mais il faut te reconnecter sur le village. Oh putain, j'ai cru que c'est un inactif à voir ce qu'il avait. Tu peux jamais, re-jamais, tu veux t'amuser à faire ça. Ah ouais? Ouais, mais je vois pas trop l'utilité puisque ça sauvegarde pas. Et ça accumule pas les gènes. Putain, je te jure, j'en suis à 60 000 dépensés juste dans les recherches. Quand j'aurai et zéro inactif.
Quand j'aurai mon iPad Air, je te jure, avec mon village level 50, et il passera level 60 tellement que je Attends, sais... montre. 58 trophées, t'as gagné en une attaque. Les débuts sur Clash of Clans. Surtout que moi je suis cheaté, alors t'inquiète pas. Je suis tellement fort. Les usines de sang, c'est... Ah, au fait, ta sort de rage combien? J'ai le sort de rage au niveau 3. Et eh ben, je le ferai plus tard. J'espère ne pas me faire défoncer. Comment ça? 1 110 375 élixirs. Après, il me reste que... bah ça y est, que deux extracteurs. Sors ton HDV. Et j'ai full... Sors ton HDV, tu me remercieras. Est-ce que je le fais maintenant? Oui. Quand les gens vont t'attaquer, je te dis, tu vas garder tes ressources. Mon HDV, enfin, il y a beaucoup de chance. Oui, il y a beaucoup de chance que tu gardes tes ressources. Oh putain, il y a pas de place. Au pire, tu déplaces tes casernes. Cette merde là, je déplace. Ce camp militaire. Je dis cette merde, mais sans ce camp militaire. C'est pas un camp militaire, ça. C'est un camp militaire, alors qui tue. Ah ouais. Je croyais que c'était ta défense antiaérienne. Non. Pourquoi tu mets une défense anti-aérienne dehors aussi? Parce que j'ai pas de place. T'es sûr? Mais vraiment sûr? Oui, tu verras. Tu vas dire, ce sera génial parce que d'habitude, quand ils t'attaquent, ils te volent tes ressources. Là, ils te voleront plus. Oh, mais je vais perdre des trophées. Quasiment rien. Ouais, mais les trophées, c'est pas ce qui est important. Ouais, c'est ce que j'arrête pas de dire. C'est pour prouver que t'es ouais, meilleur. Et après, quand tu vas voir le village du mec... C'est, mais c'est, ça veut pas dire que t'es meilleur, c'est t'as des niveaux 30 qui sont cristal, des fois. T'as des niveaux 20. Ils font que d'attaquer les hôtels de ville dehors. C'est comme un gars que je connais... C'est comme un gars que je connais qui a joué à Clash of Clans et a tellement farmé qu'il s'est retrouvé hors 3. Mais pourquoi, vu qu'il est redescendu direct en bronze, en quelques attaques. Ouais. Putain, t'es sûr, je laisse mon HDV 8 dehors. Moi aussi, je flippais au début, mais ça vaut le coup. Je flippais de perdre des trophées. On s'en fout des trophées. T'as raison. Et tu sais que, en mettant ton hôtel de ville dehors, en moyenne, tu perdras moins de trophées que si tu le mets dedans. Et donc là, s'ils m'attaquent, ils mettent tout sur l'HDV. Est-ce que j'enlève... Ouais, ils mettent tout sur l'HDV, ils laissent tes réserves tranquilles. Bon, écoute, j'ai 3 tours de Tesla. Est-ce que j'en mets une ici? Tu peux les mettre autour pour mettre des tombes après. Ah bah non. Putain, je crois que c'était un inactif. Je vais en mettre une seule. Mais les 3, ça va buter tous les ennemis et après, ça fera des tombes. Et tu pourras ramasser les glissières des tombes. Bah, c'est bon, là, une, ça suffira. Ouais. Pour l'instant. Si je vois que c'est vraiment efficace. Putain, je te fais confiance, hein. Tu crois que c'est pourquoi que je l'ai laissé à dehors, hein. Moi, encore essayer de gagner 50 trophées. Oh, ça passe large, là, ton attaque. Tu fais 3 attaques, j'ai même pas pu en faire une. Qu'est-ce que j'en fais de ce Clash of Clans après? J'en sais rien, je peux le garder si tu veux. Ce sera le Clash of Clans de la tablette. Ouais, tout pourri avec rien dedans. Ouais. Tu sais, tu pètes quasiment rien, t'es déjà 30%. Quand je me fais chier sur mon Clash of Clans HDV parce qu'il y a les améliorations et tout ça, et bah j'attaque sur celui-ci. C'est quoi? C'est exactement ce que font les forts. Moi aussi, je me ferai un deuxième compte, mais pas tout de suite. Quand tu auras ton... Quand j'aurai l'HDV 9. Moi aussi j'essaierai l'HDV 9. 3 millions avec les extracteurs qui sont digités, avec le nom. Non, moi je fais pas l'HDV 9 comme ça. Seulement quand j'aurai tout full de l'HDV 8. Donc les archers 5. Et pas que, les murailles aussi, level 8. Tous les bâtiments, murailles level 8 ça et tout. Du temps. Toi t'as 5 ouvriers, moi j'en ai que 3. Hein. Si t'économises, moi je te dis, tu finiras par en avoir... 4 au moins.
assez rapidement. Et si t'attaques les HDV d'or, tu pourras te faire des super rush un jour. Tu sais, tu montes cristal par exemple. Quand tu montes cristal, tu gagnes 1000 gemmes. C'est possible de monter cristal en attaquant les hôtels de ville dehors. Il est vu un barbare. Putain, je crois que j'ai pété un câble. Tu te rends compte? Là, quand tu commences, tu peux faire 20 troupes. Nous, en ce moment, bah moi, personnellement, je peux faire 200 troupes. Et toi? Bah, je peux faire 200 troupes aussi. 200? Ouais. Ah, il me reste une heure de bouclier sur mon Clash of Clans HDV8. Moi, un truc qui m'énerve, c'est que d'habitude, au bout de 30 recherches maximum, j'ai trouvé des inactifs. Ah non. Là, j'ai fait plus d'une centaine de recherches, j'ai toujours rien. En plus, farmer l'élixir, c'est dur. En plus que tu dois farmer les troupes et que des fois, tu trouves pas ce qu'il te faut, enfin... C'est chiant, ça, hein. Moi, je trouve rien. J'en suis à 100 000 dépensés, ça veut dire j'ai fait 200 recherches. J'ai fait 200 recherches et aucun inactif. Putain. Le type, il a 300 000 élixirs. Et c'est un actif. Oh purée. Il y en a qui se font plaisir. En gros, ça veut dire il a 3 millions d'élixirs. Il peut se faire le PK niveau 2. T'as pas PK niveau 2? Bah déjà il faut qu'il ait PK hein. Ouais. Ou alors il va se faire le dragon niveau 3. Je sais pas si ça coûte comme ça. Non, balance pas tout là. T'aurais dû en balancer de l'autre côté. Je m'en fous, de toute façon si je perds c'est bien. Ok. En plus tu crois que là c'est niveau pour... Non, je crois que je vais l'effacer ce clash of clans là. Le HDV 1. Non, 2. Ouais. Parce qu'après ça va me poser des problèmes. Après je voudrais jouer dessus, j'en suis sûr. Parce que tu vas devenir accro. Ouais, accro au début de Clash of Clans, tu sais. Alors que je suis déjà HDV8, j'ai farmé, j'en ai vu des archers passer, des archers par-ci par-là. Fin... Moi une fois on m'a attaqué au troupe 6, j'ai perdu. Une fois un level 110 m'a attaqué, j'ai gagné. Moi les gens ils m'attaquent tout le temps. C'est les gens qui essaient de faire le malin, qui essaient de faire ceux qui sont forts. Tout le temps la même chose. J'ai un 4 suivi de... Bah logique, pour une ville comme ça, ils font toujours ça. Là, ils vont balancer que archer ou barbare. Ouais. Et seulement sur l'hôtel de ville. Après, celui-ci, je le supprime. Hein, une game box. Il s'appelle OO comme le Pokémon, sauf que c'est mal écrit. Ouais. Si tu as une DS, tu t'achètes le Pokémon là? Ouais. Mais ma DS elle fonctionnait plus. En fait, je revenais. C'est Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. Ouais. Je revenais d'Italie, donc tranquille, hein, machin, console à la main. Je sors ma DS de sac, j'essaie de l'allumer et voilà. Alors, en gros, elle s'allumait plus, je sais pas ce qui s'est passé, elle a eu un problème. Ouais. Bon, elle aura bien vécu. Combien de temps? C'était la DSi XL. Ouais, comme celle de mon cousin qu'il a depuis 3 ans. Enfin, je crois. Je crois qu'il l'a depuis 3 ans, la sienne. Franchement, tout le monde a déjà eu une DS. Quasiment tout le monde. Tu sais, et puis les trucs de merde que tu gagnes. Heureusement qu'on gagne pas 15 élixirs par attaque, hein. Ouais, parce que là... 100 000 minimum, nous. Et encore, on n'est pas convaincus. En tout cas, on vous invite à jouer à Clash of Clans, parce que c'est vraiment un jeu incroyable, hein. Ouais, et je ferai des vidéos de temps en temps pour montrer ma progression. Et la mienne, si ouais, et puis, ben voilà. Parce que t'as toujours pas de chaîne YouTube. Ouais. Mais je serai peut-être futur youtubeur. Quand t'auras du matériel. Ouais, du matos, voilà.
Faut que je bosse bien au bahut. Ouais, en gros que t'es 8 de moyenne en maths. Ouais, 8 de moyenne en maths et j'ai mon... Son PC. Alien Noir. Si vous connaissez, ben... Vous pouvez en juger que c'est génial. Hein. Ouais, et après, bah, tu prendras Minecraft dessus, c'est ça? Il y a aussi des logiciels pour filmer quand tu manges ton iPhone. Non, je filmerai sur mon iPad Air. Ouais, mais tu devras attendre un peu plus longtemps avant de l'avoir, je pense. Mais je suis pas soucié, je prends avoir mon iPad Air. Hein. T'es sûr? Ouais, ouais, c'est Apple. Tu peux avoir. Répétez pas. C'est la pomme. Ouais, la pomme. La pomme du swag. Enfin. Bon, ceux-là, ils vont pas tenir. Hein. Moi, je m'en fous. Enfin, celui qui attaque le canon tout seul chez toi. Ouais. Putain, toi, tu t'es fait 4 attaques. Moi, j'ai trouvé Est-ce personne. Est-ce que c'est une attaque sur mon HDV8? On va voir si je trouve des gens. Non, je vais faire de l'élixir. En plus, j'en ai 1 111 854 grâce à mes. Extracteurs qui sont. Bah moi je te dis, t'attends encore un petit peu et tu pourras le faire, ta foreuse là. Ouais, et après qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais. J'essaye. Après, tu essaies de monter tes défenses. Ouais, mais avec l'élixir, après. Est-ce que je tente. Archer 5? Ou est-ce que je tente ce réservoir d'élixir? Fais-toi archer 5 si tu veux. Moi je trouve que t'as pas le niveau pour ça. Faut que je sois niveau combien? Ouais, c'est environ niveau 60 que les premiers okay. Archers 5. Bon, alors je suis réservé en niveau 2. Comme ça, au moins, les gens se diront, ouais, non, j'ai pas beaucoup d'élection. Putain, t'as combien de temps de vidéo là sur Clash of Clans? J'en sais rien, mais je fais que de rechercher des gens. Sans trouver un seul intéressant. Bon, je crois que je vais attaquer la première merde que je vois. Il n'y a que des merdes. Non, chez moi, il n'y a que des biens. Putain! Est-ce que je mets mon enceinte? Il y a de la ressource, là. Ah merde, non, c'est vrai, putain. Ça y est, j'ai enfin trouvé quelqu'un. J'ai failli mettre de la musique, hein. Imagine le bordel que ça aurait fait. Ouais. Et si je mets ça, juste le début. Le début du film Hard Corner. Ouais. Bonsoir, je suis à fond comme ça. Je crois que c'est le film du royaume de Bolivia. Hard Corner. Je mets. Si tu veux. Attends, je branche mon enceinte. Putain, l'archer de merde, ils sont cons. La voici. Je trouve pas que les archers, c'est con. T'as vu mon enceinte? Mais attaquer la tour de sorcier, pas les mines. Ça crie beaucoup, c'est normal. Bon allez, oui, je balance ça. Enlève un petit peu de son. Je balance ça. Et je balance ça. Voilà, j'ai enlevé le son. Fais poigne de fer. Il est en train, à mon avis. C'est bon, regarde, poigne de fer. Ouais, il a le pouvoir. Attention. On a un tout petit peu le son. Écoutez bien. Bonjour, je suis Alphonse Alpha, prince héritier du royaume de Dominia. Mon secret, c'est de posséder une force prodigieuse lorsque je lève mon glaive magique et crie « Que la puissance du patriarche revienne !» Je deviens alors Stop. Alphamar, le plus fort de tous les hommes. Et ben voilà, c'est un... En fait, ça servait tellement à rien, cette attaque. Elle était absolument pas rentable.
En plus avec Alpha Man. En fait, c'était, ça servait à rien que je recherche. C'était pas rentable du tout. De nos jours, c'est dur d'attaquer, hein. Personnellement. Regarde. Mais bande d'archers de merde, attaquez pas. Mais ils sont cons. Attaquez l'hôtel de ville, putain. De merde. Allez, pète, pète, pète. Oh, 2 secondes avant la fin. Bon, ça me fait quelques trophées. Parce que j'essaie de remonter or. Bon, bah, c'était une attaque qui servait à rien du tout. Totalement à rien. Du nawak. Ouais. J'ai balancé plein de trucs pour rien. Résultat, j'ai perdu 50 000 or. En fait, j'avais laissé Clash of Clans pendant des mois. Et quand Milo il m'en avait parlé, je m'en souviens, vers le début de l'année, j'ai dit, tiens, peut-être que je cache ça dans mes jeux. Et là, à un moment donné, je cherche et là, je trouve mon Clash of Clans. Et là, je commence à rejouer. Pourtant, j'étais assez bon niveau quand même. Hein. Non ? À ton début ?